Tu t'es cassé le bras. Oui. Tu fais quand même pas ça pour pas aller à l'école demain. Elle a dit que demain elle irait pas à l'école et que ça sera trop bien. Et on se retrouve soit à l'hôpital, soit à la maison. Donc là, voilà les amis, ils sont partis. Quoi, y a pas école aujourd'hui? C'est vrai. Bah en fait, t'as école et on a fait ça pour... Ah, salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Bon allez, salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là j'attends Liros qui doit revenir du basket. Et normalement il s'est passé un truc parce que là j'ai reçu un appel de... Salut Stéphane. Quoi? Attends, tu m'expliques là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis tordu le bras. Tu t'es cassé le bras? Oui, enfin pas cassé mais tordu. Attends, et c'est quoi ça? Ils t'ont donné ça au basket? Oui. Mais attends, mais il fait noir et tout, tu t'es sérieusement fait ça? Oui, sérieusement. Mais c'est pas possible. Mais les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je sais pas quoi dire là. Ouais, surtout les amis, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Allez, 3, 2, 1, vous mettez un like. Et surtout vous mettez en commentaire si vous vous êtes déjà cassé quelque chose. Oui. Ou même si vous l'avez pas fait, vous dites je ne me suis jamais cassé quelque chose, tout simplement. Attends, mais notre père est en bas, il est venu avec toi là. Ouais, non mais c'est normal ça. Allez, pose, assieds-toi Lily-Rose. Assieds-toi, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Si je veux, je peux... Alors regardez, mais, ça me fait... mais vous inquiétez pas les amis, on va régler ça tout de suite. Mais si je veux, je peux faire ça, mais... Non, fais-le pas, si le médecin a mis ça, tu mets ça tout de suite, d'accord? Tu commences pas à faire n'importe quoi, c'est pas possible. Donc là, notre père est en bas, donc je pense qu'on va devoir aller à l'hôpital, c'est ça? C'est pour ça qu'il me parlait d'hôpital. Bah je sais pas. Bah moi je pense que c'est ça, ou peut-être qu'on va aller chez le médecin pour éviter d'aller aux urgences. Oui, et demain, tout. Demain. Non, aujourd'hui, Lily-Rose. Même s'il fait noir, je sais même pas quelle heure il est. Là, il doit être au moins 19h30, un truc comme ouais. Ça. C'est pas possible, en plus, demain, t'es à l'école, je pense que tu vas y aller. Bah oui, quand même. Bon, allez, lève-toi, moi, je vais voir notre père, parce que là, c'est pas possible. En plus, regarde, mon bras, il est retourné. Oui, bah, je sais, je me doute bien. Et tu t'es fait ça comment? Allez, raconte bah, pour au les basket, gens. Et bah, en fait, je me suis reçu un bras, et mon bras, il fait comme ça. Non, mais comment? Attends, j'ai rien compris, tu t'es reçu bah, un bras. Je me suis reçu un ballon, et mon bras, il a fait ça comme ça. Oh, mais c'est n'importe quoi, et qui t'a fait ça? Bah, je sais pas, il voulait me faire la passe et... Ouais, bien sûr, je suis sûr que t'as fait un truc bizarre et tout, c'est pas possible, t'as pas pu te casser le bras comme ça. Bon, allez, ça suffit, on va aller à l'hôpital, on sait pas si on va vous prendre, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, la vidéo continue, restez bien jusqu'à la fin pour savoir ce qui se passe vraiment, et parce que... Et soutenez-moi en commentaire, parce que ça fait hyper mal. Super mal, bon, allez, à tout de suite, les amis. Donc là, voilà, les amis, j'ai vraiment mon petit truc, et je vais pas aller à l'école demain, comme ça, je vais rater l'école, ça va être trop bien. Attends, oui. Qu'est-ce que tu disais là? Je disais que j'avais vraiment mal et que je l'ai réexpliqué. T'es sûr que tu disais ça parce que j'ai entendu parler d'école là? Oui, j'ai dit à l'école, j'ai dit c'est trop. Attends. Peut-être que je vais pas devoir tu aller fais, à tu, l'école. Tu fais quand même pas ça pour pas aller à l'école demain? Non, j'ai trop mal. T'es sûr? Attends, oui. Mets-toi là, enlève ça. Parce que là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, tu fais semblant d'avoir mal. Non, je te promets que je suis. T'es sûr que t'es pas en train d'essayer de m'arnaquer là? Non. T'es sûr que t'as mal? Oui, t'inquiète pas. Si je fais ça. Attends, t'as mal à des endroits où tu devrais pas avoir mal. Mais ça fait pas mal. Et là. Aïe. Non, c'est n'importe quoi, je pense que tu fais semblant. Fait mal. Mais bon, là il y a notre père qui nous attend pour aller aux urgences. Enfin, je pense qu'on va pas aller aux urgences, je pense qu'on va simplement aller chez le médecin. Non, fais pas ça. C'est bizarre que mais tu puisses faire mal ça d'ailleurs. Ouais, tu racontes un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. On va quand même y aller dans le doute parce que si c'est une fracture ou si tu t'es cassé le truc, c'est ultra grave. Donc surtout les amis, n'hésitez pas si vous vous faites mal à le dire à vos parents oui. Et c'est eux qui décideront si vous devez aller à l'hôpital ou pas. Mais surtout ne faites pas comme Lily-Rose parce que Lily-Rose a déjà fait ça exprès pour pas aller à l'école. Oui, mais c'est pas pour ça là. Si vous faites ça, c'est très mal et c'est très mauvais pour vous. Donc attends. T'escalades alors que t'as un bras cassé. Mais ouais, mais j'essaye. C'est n'importe quoi. Bon, allez, sors. Moi, je veux plus te voir dans ta chambre parce que sinon, tu vas encore nous faire des catastrophes. Allez, à tout de suite. On se retrouve à l'hôpital si on peut filmer. C'est n'importe quoi. Alors, moi, les amis, j'espère qu'elle est pas en train de faire une grosse bêtise. En tout cas, je vais pas le dire à notre père parce que sinon, il va trop rager. Donc, allez, à tout de suite, les amis. Donc, voilà. Donc, là, on est dans la voiture. Ah, ça alors, fait mal aux yeux. Ouais, ça je va, sais Lily, que ça fait mal aux ça yeux. Va, là, je suis obligé d'éclairer et tout. Donc, Lily-Rose, ça va ou pas? Non, mais t'es sûr que t'as mal? Parce que là je l'ai entendu parler. Devine de quoi je l'ai entendu parler dans la chambre là. T'as pris ton cachet au moins? Non mais elle avait rien à prendre. De toute façon je lui ai dit de pas le prendre parce que ça sert à rien. C'est un truc pour anti-douleur là, oui. Je sais pas quoi. Et tu sais ce qu'elle a dit dans la chambre? Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que demain elle irait pas à l'école et que ça sera trop bien. Ah bon, si c'est trop grave, non, on va aller faire une radio quand même. Hein. J'espère que je vais pouvoir aller à l'école. Non, parce non que mais les abonnés ont très bien entendu. Moi j'ai entendu ça quand j'étais dans l'escalier et qu'elle avait pris la caméra pour parler toute seule.
Oui, mais si la radio décède, de toute façon, là, on y va. J'espère qu'on ne verra pas pour rien. J'espère qu'on n'y va pas pour rien, Lily-Rose. Moi, j'espère qu'on y va pour rien, parce que j'ai pas envie que son bras soit cassé. C'est que si elle ment pour pas aller à l'école comme la dernière fois, ça serait... Et comment ça s'est passé réellement, Lily-Rose? Elle a dit qu'elle avait, c'est quelqu'un qui lui a jeté un ballon dessus. Ah bon, t'as jeté un ballon? Mais Lily-Rose, en plus, elle sort son bras de l'écharpe. Mais oui, mais parce que attention, Lily. Ça va, j'aime bien faire. T'es sûr que tu fais pas de bêtises? Bon, allez. Mais allez. Là, on y va, de toute façon. Remets ton bras dans l'écharpe, s'il on te a plaît. Pas, on n'a pas de temps à perdre, on doit y aller tout de suite. On est bientôt arrivé. On se retrouve soit à l'hôpital, soit à la maison. Ça dépend si on a le droit de filmer à l'intérieur. Je pense qu'à l'hôpital, on n'aura pas le droit. Bon, allez, à tout de suite, les amis. Bon, allez, Lily-Rose, rentre. Alors là, on est vraiment pas content. Enfin, on va pas. Non mais on va pas trop rouspéter Lily-Rose parce que bah c'est tombe c'est un peu vrai donc on sait pas parce qu'on l'a... tu vois tu l'as vu tomber quand même. Moi je suis soulagé qu'il y a pas de fissure. Le docteur a dit que tu l'as vu tomber mais apparemment c'était pas un truc trop grave. En fait elle est juste tombée un peu vite fait. Bah elle est quand même mal tombée. Et je pense que Lily-Rose tu fais un peu semblant pour pas aller à l'école. Mais moi je pense que c'est ça. Non, mais Lily-Rose. Attends, nous on va partir de la chambre. Lily-Rose, j'ai la caméra. J'espère que tu vas pas faire de bêtises parce que c'est du grand n'importe quoi. Ok. Allez, viens. Parce que c'est. Donc là, voilà les amis, ils sont partis. Donc en vrai, j'ai plus mal. Donc c'est juste pour pas aller à l'école, hein, comme je vous ai dit. Donc au début, j'avais vraiment mal, mais là j'ai plus du tout mal. Regardez, je sais bouger mon bras. Lily-Rose. Ouais, donc là j'ai vraiment Lily-Rose. Oui. Qu'est-ce que tu disais à la caméra encore une fois? J'avais vraiment mal et qu'il ne croyait pas. Tu crois qu'on t'entend... j'ai entendu, ouais, tu crois qu'on t'entendait pas là derrière la porte? Oui. On a entendu que t'avais plus trop mal là quand même. Et tu nous prends pour quoi là? Je pense qu'elle nous prend un peu pour des jambons là quand même. C'est un peu n'importe quoi. Ouais, donc on va te laisser cette nuit, ok? Et demain matin, on arrive. On revient demain matin ou pas? Ouais, bon allez, on revient demain. Ouais, bien sûr. On te croit à peine. On t'a entendu tout à l'heure. Moi je reviens demain matin. S'il y a la moindre bêtise, ça va pas aller, Lily-Rose. Viens dire ton plan. Attends, moi je sais ce qu'on va faire. J'ai pas de plan, mais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre demain matin. On va voir si elle a mal. Et comme le docteur a dit qu'il y avait rien du tout, je pense qu'elle ment pour pas aller à l'école. On va lui dire que l'école est annulée pour voir si elle a encore mal ou pas. Ouais, d'accord. Ok, donc on va attendre demain matin. Là, on va laisser la nuit passer parce que ça tombe, elle a vraiment mal. Elle va avoir un bleu. Dans une prochaine vidéo. Non, dans cette vidéo là, oui, carrément. Allez, à tout de suite. A few moments later. Donc là voilà, donc on est le lendemain matin. Alors là, il est 7h. Bon, forcément, il fait pas encore jour. Donc on va aller voir Lily-Rose. Attends, toi reste là. Lily-Rose, c'est l'heure de se réveiller. Lily-Rose. Oh punaise, en plus t'as dormi avec ton téléphone alors que c'est totalement interdit. Attends, tiens. Lily-Rose, t'as encore mal? Mais justement, Lily-Rose, on vient pour te dire un super truc. Oui. Tu sais quoi? Y a pas école aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, y a pas encore. Mais en fait, j'ai plus mal. Ah non, mais attends, on devait. Non, mais du coup, on voulait aller. J'ai appelé à l'école. J'ai appelé la directrice en fait, ouais. Et je lui ai demandé s'il y avait l'école aujourd'hui. Non, mais il n'y avait pas l'école parce que c'est une journée pédagogique et tout. Ouais. T'as plus mal au bras du coup? Yes. Oh, mais c'est génial, donc, ça s'est réparé pendant la nuit. Attends, mais Lily-Rose, mais c'est trop bien. Attends, remets ça en fait. Comment ça se fait que t'as plus mal au bras, Lily-Rose? T'es sûr? C'est sûr parce que. Pendant la nuit. Oui. Ah, mais c'est bizarre. Le médecin il t'avait demandé de pas faire pendant au moins une ou deux journées. Non, mais c'est trop bizarre parce qu'en plus on comptait aller à un parc d'attractions et tout, mais dommage. Bah oui, on va pas aller au parc d'attractions. Mais t'as plus mal, t'es sûr? Montre-moi que t'as plus mal, montre-moi. C'est comme ça aussi. Vas-y. Oui. Attends, elle a vraiment plus mal. Et tu sais quoi, Lily-Rose? Oui. Bah en fait, t'as école et on a fait ça pour. On a fait ça pour voir si t'avais vraiment mal ou pas. J'ai mal. Oh la menteuse, elle a fait. Comment elle nous a pranké? Non, mais c'est pas un prank là, c'est carrément du mensonge. Ouais, c'est une grosse mytho. Non, mais faut jamais faire ça, les amis. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Elle voulait pas aller à l'école. Ouais, elle a fait ça pour pas aller à l'école chaque fois. Ouais, non, mais arrête. Ouais, non, mais ça suffit. Arrête la comédie. Non, j'arrêterai pas. Mais pourquoi tu fais semblant comme ça, Lily-Rose? Parce que j'en ai plus que marre. Et du coup, on a dû acheter ça pour rien là. Bah oui, regarde. Alors qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Bon, c'est n'importe quoi. Bon, allez, tu vas aller à l'école. On passe à la bulle magique parce que là, c'est vraiment trop n'importe quoi ce qu'a fait Lily-Rose. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc on va passer à la bulle magique parce que Lily-Rose a disparu. Je sais pas où elle est passée. Elle est peut-être en train de rager. Donc désolé, on peut pas tous vous faire passer parce qu'il y a tellement de monde.
Ouais. Allez, donc merci beaucoup à Daniela, à Marion, à Émilie, à Morgane, à Anifa, à Yaya et à Marine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas de faire des vidéos, faire des sketchs. Amusez-vous bien et faites ce que vous voulez dans la vie, c'est important. Bye bye.